Bonjour, bonjour tout le monde. Cette petite vidéo pour vous dire que je vous remercie de tous les messages privés, de tous les mails que vous m'avez envoyés. Oui, je commence à aller mieux. Vous inquiétez pas, je prends mon traitement et je commence vraiment à aller mieux. J'ai eu le dos bloqué, maintenant ça va mieux, je peux me lever comme vous voyez. Je continue mon petit crochet. Alors là, je fais un pull pour ma fille. J'ai fait un petit lit. Alors, j'ai un nouveau dans la famille. Il y a un petit nouveau dans la famille. Mon mari m'a acheté un petit poupon qui est tout mignon. Le voilà. Je lui ai fait son petit lit avec ses petits jouets comme ceci. Voilà. Hein? Et puis j'ai crocheté tout le tour comme ça et j'ai mis des petits. Alors vous savez, c'est des. Comment on appelle ça? Pour mettre. C'est des pieds pour mettre les boîtes, etc. Ben, j'ai trouvé que ça faisait très joli donc je les ai mis tout le long du lit. Voilà. Alors le poupon, bon, là il est tout nu parce que j'avais mis au lit. Oui, bon, voilà, il est tout bébé, tout mignon. J'adore, il est vraiment adorable. On va, attendez, je vais l'habiller et je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Voilà. Alors, oui, tout le temps où j'ai dû rester tranquille, je pouvais pas faire autrement, hein, de toute façon. J'ai crocheté, j'ai crocheté, 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 crocheté. Voilà. Et puis là, pour l'instant, je vais continuer à crocheter parce que j'ai pas envie de faire de scrap ni rien pour l'instant. Donc, non, j'ai pas envie. Donc, on va attendre un petit peu et puis je vais pouvoir. Reprendre petit à petit de toute façon les vidéos etc. hein, je vous inquiétez pas hein, la preuve je suis là voilà je suis pas obligée de faire des tutos non non puis en plus bon hein, ça vous intéresse pas plus que ça j'en suis sûre donc voilà alors je vais vous montrer. D'abord, le voici, le voilà. Et là, ces petits chaussons. Voilà, ces petits chaussons comme ça. Voilà, on lui met ces petits chaussons. Voilà, sur mesure en plus, hein, franchement. Voilà. Et voilà. Bon, si vous voulez que je vous montre quelque chose, surtout au crochet. Au crochet, hein, je précise. Si vous voulez, je vous montre un point spécifique ou comment on fait les petits chaussons ou le pantalon ou les trucs comme ça, n'hésitez pas, hein, demandez-moi. Je le ferai. Voilà. Donc, le voici, le petit Oscar. Je vais lui faire d'autres vêtements et puis. Puis voilà, dessous. Alors, attendez, le lit, dessous, je lui ai mis. Vous savez, la fourrure que l'on avait à Action, eh bien, je lui ai mis dessous. Ça fait son petit matelas. Voilà. Hop, on le met dedans. Et je lui ai fabriqué sa petite couette. Alors, avec ce joli petit point que j'aime beaucoup. Il est tout doux, je l'aime beaucoup ce point. Et je lui ai mis, en même temps, je lui ai mis du coup de la petite dentelle. Voilà. Ici, donc, je lui ai fait, c'est des petits, voilà, c'est des petits papillons. Vous voyez? Je lui ai fait plein de petits papillons comme ça. Ça aussi, si vous voulez que je vous montre, des fois, pour une créa, c'est pas mal du tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais pas grand-chose. J'ai déjà pas mal, hein. Voilà.
Je ne sais pas si je vous avais montré ma petite Céline avec son petit ensemble de shorts et pulls. Voilà. Avec son petit bonnet. Voilà, voilà. Donc Oscar, c'est mon mari qui l'a acheté. Pour me faire plaisir parce que je voulais un poupon. Et puis je chaque fois je dis oh pardon un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard. Et puis là, mon mari est allé chez le chinois. C'est un grand magasin qu'il y a ici, mais immense. Et on trouve de tout. Et là, il a trouvé petit Oscar. Donc, il me l'a pris. Il m'a acheté aussi de la laine. Alors, il y en a pas. Voilà, regardez. Alors, ça, c'est des pelotes de laine de 100 grammes. Voyez, et j'ai payé ça 2 euros. Alors que, je ne sais pas, j'en ai pas en entier. Je paye celle de 50 grammes. Je les paye 1,50 euros. Donc, mon mari en a acheté quelques-unes. Alors, vous voyez, il a acheté du bleu pour faire du pompon. Il a acheté du rose pâle, du rose un peu plus foncé, du bleu plus pâle, voilà. Et il m'a dit, si tu en veux d'autres, j'irai en acheter. Parce que c'est pas loin et c'est très pratique. Voilà. Donc, voilà. Là, je suis donc en train de faire le pull de ma fille. Mais comme c'est très, 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 très long, parce que ma fille est très, très grande. Donc, il est très long, donc je ne fais pas d'affilée. Je fais en même temps, je suis en train de faire un autre pantalon pour mon poupon, mon petit Oscar. Voilà. J'ai commencé ça. Non, c'est tout. C'est tout. Là, je finis tout le reste. Bientôt, je vais m'attaquer à faire parce que je... Voilà. Ce genre de point, voyez. Alors, hop, voilà. C'est moi je trouve magnifique ce point. Donc je vais essayer de m'y attaquer. Voilà. Je vais essayer de trouver la laine d'abord. Parce que normalement j'ai tout ce qu'il faut parce que j'avais prévu quand même pas mal de laine heureusement. Voilà, ensuite ben non je fais pas de DP, je fais pas de scrap pour l'instant. Aujourd'hui il fait gris et 15 degrés. Alors je ne vais pas me plaindre parce que j'avoue que bon j'ai voulu faire encore plus froid hein. Mais je reste dedans. Je continue à rester dedans et puis voilà. Bon, ben voilà de mes nouvelles. Hein. Je vais vous faire un gros bisou. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Alors certainement une vidéo info. Ou si vous me demandez une vidéo crochet. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Et merci, 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 merci de m'envoyer des petits mots gentils. Vous êtes trop, trop gentils. Je vous adore. Allez, et puis n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Bisous !